Et salut tout le monde, c'est Okonai, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, on va rejouer Pyke pour une deuxième fois pour une vidéo. Et moi, j'ai fait des dizaines de games avec le champion. Et dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons tester un Pyke beaucoup plus tanky que d'habitude. Je pense que vous avez déjà remarqué certains Pykes dans vos games qui partent bien plus tanky que d'habitude. En tout cas, ce ne sont plus vraiment des assassins en termes de build et de runes. Quand je parle de build, ça parle aussi des runes. Et là, on peut voir déjà mes runes. C'est des runes déjà bien plus tanky que d'habitude. Je ne joue pas avec Electrocute. Je joue avec Aftershock. Aftershock qui va nous permettre de faire des engages plus safe pour nous, pour pas mourir tout de suite. Parce que Pyke, finalement, c'est un champion. Attends, je vais baisser juste vite fait la musique. Même si c'est peut-être pas très très fort, mais moi je l'entends bien. J'aurais peut-être pu baisser ici. Bref. Ah, me dites pas que vous êtes en train d'invade, merci beaucoup. Parce que je ne voyais rien. Et du coup, en fait, on va essayer de faire un Pyke bien plus tanky pour résister plus dans les teamfights. Et pour avoir le temps de bien placer un ultime, parce que l'ultime de Pyke est beaucoup trop important à bien placer. Et si on est, comment dire, pas assez tanky, on est un petit peu, on se fait trichot, et qu'on est en mode, purée, si j'arrive, il faut vraiment que j'aille au bon moment, etc. Bah là, ça va nous laisser un petit peu plus de temps et de liberté dans nos mouvements, et ça va être pas mal du tout. Et vous allez voir que on va pas faire beaucoup moins de dommages. Et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Je ping ici au cas où que mon ADC veut prendre cette trajectoire. Je ne vais pas grab le red buff parce que ça peut reset le truc, c'est chiant. Et en plus, faire juste un petit tap, ça fait plus de dégâts avec le Q. On est contre, alors je suis en rang 4 sur le Smurf, c'est un niveau bas diamant là je pense dans la game. Je suis actuellement plate 1 mais mon MMR est un peu plus haut. Ok, bon ils avaient pas de cheese, c'est cool, moi je vais attirer juste... Ah. Bon ça va, je l'ai eu quand même, avec le Q tout va bien. Non, je voulais juste attirer un melee en fait pour avoir une stack, mais tout va bien. Je vais aller warder ici, peut-être que c'est ward là, je ne sais pas. On va essayer de passer niveau 2 avant eux et de faire un engage, ça peut être assez intéressant. Plus la Morgana elle est passée, je veux dire, elle a monté son autre sort. Ça a rien que je flash. J'aurais pu flash mais ça allait forcer leur flash et c'est pas très intéressant. Je préfère garder mon flash si on continue à mettre de la pression. Donc au niveau du build, je ne vais pas build la bannière de commandement. Parce qu'elle va bientôt disparaître, j'ai pas envie de vous montrer quelque chose qui va disparaître. Même si c'est très fort, tiens, Graves est top, c'est cool. Ça nous donne une bonne petite info là. N'oubliez pas, aujourd'hui, coach abonné les gens, à 20h, on sera en stream. C'est du gold plat. Si vous voulez participer, tout le monde peut participer, il faut juste être en Europe Ouest. Donc, have fun les gens. Okay, c'était pourri, j'ai cru que j'allais en grab 1. Ok, il a fait le fou, fais attention. On se fait un petit peu chier là, on va pas se mentir, on se fait un petit peu chier. Okay, tout va bien, je me suis fait ignite. Aucun souci, moi j'avais encore plein de potions, c'est très très bien qu'elle ignite sur moi, du coup là ça nous laisse... je sais juste pas où est le grave en fait. Ouais, c'est ce que je pensais. Ah, plus! Nice. Ok, c'est bon. J'ai mon petit instinct me disait qu'il y avait un truc qui se tramait quelque part par là. C'est très très bien. Lui, il va back. Il a plus de mana. Je ne vais pas back en même temps que lui. Par contre, je vais... Ah, c'est bon ça. J'ai failli vouloir me prendre, mais le Q, ça change rien. Par contre, je peux venir ici, moi. Fais gaffe. Niveau 3. Nice. Six secondes mon Q les gars, laissez tomber. C'est pas mal. Je vais juste prendre ça mec. Dommage pour le Kha'Zix. Alors là, j'ai fait juste le petit trick du Q chargé, flash de l'autre côté. Et après, tu remets le Q pour mettre du bon sens, etc. J'aurais pu mieux jouer, malheureusement. Hey, oh, nice. Ok, nickel. On va monter tout de suite l'item support pour avoir les wards, évidemment.
On peut se prendre ça. Vas-y, on va se prendre ça. J'ai tellement de retard. Oh, nice, bien joué. Ah, ça passe pas, dommage. C'est peut-être arrivé ici, je pense. Ouais, sans on s'en doutait. Ah, nice, c'est pas mal ça en vrai. Je vais me le prendre, c'est pas grave le Q. Nice, il a eu 520 bonus. Oh là là, trop trop bien. La téléportation qui nous met trop trop bien là. Ouais, je suis peut-être pas allé du bon sens en vrai là. On n'est peut-être pas allé dans le bon sens. En tout cas, ça se passe plutôt bien. J'ai mes petites bottes, j'ai un petit peu plus de points de vie. Et là, on va commencer à prendre des résistances. Alors, en face, il y a beaucoup, beaucoup de CC. Et dégâts magiques, en vrai. Du coup, on va peut-être partir sur des bottes. On va commencer à prendre un petit peu de tout. On va quand même finir ça. On va quand même prendre ça. La cage de Morgana est trop chiante. Le stun d'Anivia est trop, trop chiant. Je vais prendre des sandales Mercure. C'est vraiment trop relou, ce truc-là. Nice. Donc lui, il a fait du 1v2, le Draven. Bah écoute, tout va bien. Ah mais, il est en 3-0, d'accord. Ah bah, nice, hein. C'est bien, on a pu occuper un petit peu les autres. Mais quand même. Putain, je les foire tous. Ouais, j'aurais pas dû venir avec lui là. Oh là, le Q du Moquet était trop bien. En fait, vous voyez, mais là j'ai mes résistances, je foire mon ultime parce que je suis vraiment un Kekos là. Et j'essaie de le timer un peu trop bien. Mais bon, c'est pas grave. Ah, il avait pas son ultime. Oh le beau gosse. Oh le beau gosse. T'as vu cet engage, mec? Comment ça tue de ouf? Putain, c'est trop bien, Glordufus, mec. Hop, le petit Zonia. Oh, petit stopwatch qui fait plaisir. Mal timé. Bah, mal timé, il avait pas le choix en vrai. Il aurait pu se faire raise. Je
comme nous. Shit! Ça m'a déjà redonné 800 points de vie, c'est pas ouf. Ça m'a donné 280 gold, c'est pas... Y'a mieux. Qu'est-ce qu'il me meurt d'ici? Eh mais par contre le stun de Morgana, les stuns me font rien du tout mec. Hein. C'est ouf hein. Oh mec, je fais rien. Mec. J'ai rien fait de la gueule. Oh non, la fin de partie, c'est hallucinant, j'ai rien fait. Et ben voilà les gens, c'était le petit build un peu plus tanky. Alors là, j'allais sur une... merde, un ange gardien. J'aime beaucoup l'ange gardien. Je sais pas, ils ont tous été trop bons. Hein. Je suis obligé d'honorer lui, je suis désolé genre pour l'ADC, mais genre... La TP du Maokai nous a sauvé la game, donc GG à toi, sorry. Et au niveau des dégâts, oui, on n'est pas ouf, mais même en assassin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je serais dans les zones là, en fait, même avec un build assassin. Là, j'ai même dommage que Kha'Zix, un petit peu moins que le tank, mais au moins, j'ai pu... nice. Au moins, j'ai pu faire des trucs assez stylés, mais je suis très content. Je suis très content, la game était pas ouf. J'ai fait des erreurs, mais au moins, vous voyez que même avec des erreurs, c'est pas très grave avec un build tanky. Donc, je sais pas s'il y a des pikes parmi vous, des mains déjà, qui ont déjà plus de 40-50 games avec le personnage. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le jouer comme ça. La gloire du juste, je trouve ça trop, trop stylé, la gloire du juste. Tu dois activer, par contre, avant ton W, sinon ça marche pas. Après, j'aime beaucoup l'ange gardien. Comme ça, tu peux y aller vraiment YOLO. Et après, tu peux prendre encore plus. Ça dépend, après, l'équipe adverse. S'il y a que des tanks, bah, tu prends un couperet noir. S'il n'y a pas de tank et que c'est très AP, tu peux prendre, je sais pas moi, une Malmortus. Bref, il y a plein de choix possibles. J'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas, ce soir, coach abonné, à 20h, c'est du Gold Plat en EU-West. On vous attend en stream. Le lien dans la description, évidemment. Au revoir tout le monde et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.